Bonsoir tout le monde, bienvenue au Collège André Grasset. Aujourd'hui, c'est une réunion d'information pour la Cémonie. Vous avez tous reçu les guides et je suis sûr que dans le temps des fêtes, ça a été votre lecture de chevet. Alors, c'était des heures de plaisir. Mais là, moi j'aime les sourires, là, nous. Alors, c'était des heures de plaisir, mais là, qu'est-ce qu'on essaie de faire ce soir? C'est qu'est-ce que vous avez lu dans le guide ou pas lu, c'est pas grave. On va essayer de vous l'expliquer pour que samedi, ça soit beaucoup plus rapide, la première journée de la simulation, pour qu'on puisse vraiment s'amuser le plus rapidement possible. Mais avant de commencer la réunion... Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Adriana, je fais partie de la délégation de Grasset. Et en tant que reine des pages cette année, ceux qui l'ont déjà fait, bien, on vous propose une activité un peu plus décontractée pour avoir du fun, apprendre à se connaître. Donc, c'est le samedi après la simulation. On s'en va tout le monde ensemble, donc toute la gang de Grasset et tout vous, on l'espère, dans un manger au restaurant. Normalement, c'est le Saint-Hubert. Donc là, je sonde un peu, je tente le terrain pour voir est-ce qu'il y en a qui ça intéresse cette année à venir à main levée. Oui, c'est à vos frais, c'est peut-être. OK, quand même, parfait. Ouais. Attends, relevez vos mains, laissez ça entendre de venir. Parfait. Donc ça, on va vous le redemander, on va vous en reparler le samedi. Mais gardez en tête que ça va être là. Et c'est vraiment une belle activité. Pour vrai, ça nous sort un peu du cadre de la simulation. Puis ça permet aussi d'apprendre à se connaître en nous. Alors, bonjour. Donc, comme Marie l'a dit, aujourd'hui, on est là ce soir pour une rencontre d'information. Donc, on est vraiment là pour répondre à vos questions. Si jamais vous en avez, n'hésitez vraiment pas. Tout au long de notre présentation, on a des moments où vous allez pouvoir poser des questions. Donc, vraiment, gênez-vous pas. On est là ce soir pour ça. Donc, on va commencer par se présenter. Je m'appelle Julie, puis je vais être votre présidente d'assemblée. Moi, c'est Guillaume Rioux, et je vais être votre assistant directeur. Et moi, c'est Juliette, et je serai votre rapporteur. Donc, on va commencer en vous présentant c'est quoi l'ONU. Donc, l'ONU, c'est une organisation internationale qui a quatre buts principaux. Donc, le premier but, c'est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Le deuxième but, c'est vraiment favoriser des relations amicales, des relations entre les pays. Donc, vraiment, on veut favoriser le dialogue. Donc, on veut pas nécessairement qu'il y ait des confrontations, on veut pas qu'il y ait des guerres, on veut que les conflits se résolvent par des résolutions. Le troisième but de l'ONU, c'est vraiment d'améliorer le sort de la population mondiale. Donc, pas juste d'un pays, mais de tous les pays. Et finalement, le quatrième but, c'est de collaborer pour trouver des solutions pour des enjeux d'envergure internationale. Donc, pour faire tout ça, l'ONU a plusieurs organes, donc deux principaux. Le premier, c'est l'Assemblée générale. Donc, l'Assemblée générale, c'est l'organe où vraiment on va délibérer et où il y a 193 États qui y siègent. Ces pays-là, chaque État va avoir un vote, puis les votes vont être faits pour approuver des résolutions que les États vont écrire ensemble. Donc, l'Assemblée générale, lorsqu'elle va écrire des résolutions, elle va mettre des recommandations. Elle ne peut pas faire d'imposition. C'est super important. On ne peut pas imposer un pays à faire quelque chose. On peut seulement lui recommander. L'autre organe important, c'est le Conseil de sécurité. Lui, sa particularité comparée à l'Assemblée générale, c'est qu'il a un pouvoir de force. Donc, il peut au lieu de faire des recommandations, lui, il peut imposer certaines affaires. Dans le Conseil de sécurité, il y a 15 membres, donc il y en a 5 permanents, les 5 gagnants de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, la Russie et la Chine. Et 10 membres non permanents qui, eux, sont élus aux 2 ans. Puis, le but vraiment du Conseil de sécurité, c'est de maintenir la paix et d'assurer la sécurité internationale. Donc, nous, ce qu'on va simuler à Cémonie, c'est l'Assemblée générale. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir énormément de pays. Il ne va pas juste avoir 15 pays, il y en a vraiment beaucoup. Donc, vous allez avoir une chance de collaborer avec énormément de pays. Puis, ce qui est super important, c'est que dans vos résolutions, on ne veut pas que vous fassiez des impositions, on veut que vous fassiez des recommandations. Comme l'ONU recherche à résoudre des problèmes, les résolutions sont des documents qui aspirent à la même chose, tout en engageant les États membres sur une base volontaire à agir. Les résolutions, c'est composé de 2 choses. On a des clauses préambulatoires et des clauses opératives. Les clauses préambulatoires servent de mise en abîme, de mise en contexte pour le sujet que vous voulez traiter. Les clauses opératives, eux, c'est des clauses où vous allez mentionner des solutions et des actions concrètes pour résoudre le problème.
Ici, on a un exemple des clauses préambulatoires et des clauses opératives. Les trois premières, avec les verbes en italique et qui ne sont pas numérotés, sont les clauses préambulatoires. Ensuite, on observe les trois clauses numérotées, qui sont les clauses opératives. Et ici, on va regarder les clauses préambulatoires un peu plus en approfondi. Dans le fond, on observe que le premier mot est en italique, c'est obligatoire. Il faut aussi que le premier verbe soit au participe présent. Dans les clauses préambulatoires, on a dit que c'était une mise en contexte, une mise en abîme. Alors, il faut faire état de la situation. Il faut aussi nommer des statistiques, des références aux chartes sur les programmes qui ont déjà été faits, les actions qui ont déjà été accomplies vis-à-vis le problème. Et les clauses préambulatoires se terminent toujours par une virgule. Pour les clauses opératives sont toujours numérotées. On commence toujours la numérotation de numérotée en nombre normal, 1, 2, 3. Et après ça, si on écrit des sous-clauses, comme ici, c'est numéroté en ordre alphabétique A, B, C. Si on écrit des sous-sous-clauses, si jamais vous avez besoin de faire ça, ça va vraiment être écrit avec c'est en chiffre romain avec les I ici. Les clauses opératives ont toujours le premier verbe d'action en italique et ça doit être un verbe d'action. Il y a des listes sur Internet si vous voulez consulter. Dans les clauses opératives, il faut faire mention d'acteurs et surtout d'une action concrète que vous voulez faire pour régler le problème soumis. Les clauses opératives terminent toujours par un point-virgule et la dernière clause opérative d'une résolution se termine par un point. Là, on va aborder le contenu des clauses opératives. Les clauses opératives doivent toujours contenir les 5 W. C'est quoi les 5 W? C'est le what, who, why, when, and where. Le what, c'est l'action que vous voulez recommander. Quand vous écrivez votre clause opérative, posez-vous la question « what? Quoi? » Comme un peu la règle de français. Puis, si vous êtes capable d'y répondre, c'est que vous êtes sur le bon chemin d'avoir une bonne clause. Après ça, vous écrivez le « who? » C'est qui? Vous faites mention d'un acteur, vous vous adressez à qui pour l'action? Comme les États membres, un organisme de l'ONU, peu importe. Pourquoi? Pourquoi l'action est importante? When? Quand? Souvent, dans les résolutions de l'ONU, on parle d'atteindre certains objectifs d'ici 2025, 2030, sur une période de 5 ans. C'est dans cet ordre-là. Et le « où », c'est pour apporter plus de précision sur, dépendamment du sujet, si c'est un sujet qui est régional, comme mettons l'Afrique du Nord, ben, c'est important de mentionner la région dans laquelle vous allez traiter du problème. Ici, on a un exemple d'une mauvaise résolution. Est-ce que certains d'entre vous... Mais premièrement, prenez le temps de la lire. Deuxièmement, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'est une mauvaise résolution? On va la lire. Est-ce que vous êtes capable de la lire? Ou... Non, OK. Mais on va lire quelques clauses, puis on va y aller comme ça. Réaffirmons que les États ont besoin d'armes légères pour conserver leur souveraineté et leur indépendance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qui cloche avec cette clause-là? Oui? OK. Oui, c'est vrai, ça encourage la guerre, c'est vrai, c'est pas dans la vision des Nations Unies. Mais si on y va avec l'esprit de regarder, d'analyser les clauses avec les 5 W, il faut voir qu'ils ne sont pas là. On fait juste dire qu'il y en a 2 sur 5. La clause est manque de précision. On ne déplore pas une situation, on dit seulement un fait qui n'est pas basé sur aucune statistique. C'est comme ça aussi pour les deux autres clauses opératives. On peut continuer. Préambulatoire, merci. Considérant que les budgets réservés aux dépenses militaires et que les armes classiques nuisent au développement global des pays et de leurs citoyens, voyez, encore, c'est comme la première, c'est il manque de statistiques, il manque... faut étoffer vos clauses. Pour les clauses opératives, si on lit la première, c'est marqué, c'est écrit « Encourageons le gouvernement de chaque État membre à sacrifier une partie de son budget antérieurement consacré à l'achat des armes pour le redistribuer aux ONG, supportant l'aide au développement telle que l'éducation dans les pays dans le besoin. » Ici, on voit que demander à un pays
et de lui dire comment gérer son budget, c'est de l'ingérence et c'est pas dans la vision des Nations Unies. Ce n'est pas le rôle des Nations Unies. En fait, il faut l'éviter à tout prix. C'est pour ça que cette clause-là, elle n'est pas bonne. Et on va passer à la prochaine diapo. On veut aussi souligner l'importance de rester fidèle au point de vue de votre pays. Donc, dans cette résolution, on peut voir que les parrains et les signataires, c'est les États-Unis, le Sierra Leone, mais dans la perspective et le point de vue de ces pays, c'est pas le genre de résolution qu'ils écriveraient ou ils approuveraient. C'est bon? Donc, c'est super important de vraiment rester fidèle à la position de votre pays. Et une chose, c'est que sans doute, on l'aurait refusé à agresser. Parce qu'on l'avait refusé à cause des signataires et des parrains. On n'aurait pas accepté ces pays-là. OK. Fait que là, on va passer à la première période de questions. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Soyez vraiment pas gênés, là. On est là pour ça. Oui? Est-ce qu'on peut être controversé? Pardon? Est-ce qu'on peut être controversé? Qu'est-ce que tu veux dire par controversé? Une résolution qui va diviser une grande partie des États membres. Tant que tu restes dans la vision des Nations Unies et que tu t'interfères pas avec le principe d'ingérence, j'imagine que c'est correct. Parce que tous les pays n'ont pas la même vision. Fait que c'est normal que souvent certains projets de résolution ne vont pas plaire à chacun des pays. Et j'imagine que ça devrait être correct, mais il faudrait voir le degré de ce que tu veux dire par controversé. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Comment est-ce qu'on peut maintenir la paix entre les pays si les pays ont un but commun quelque part? C'est pour ça qu'on a les Sustainable Development Goals adoptés en 2015. J'imagine qu'on a fait mention dans le background guide. C'est, dans le fond, c'est tous les États se sont entendus sur l'agenda 2030 pour atteindre des buts précis. Fait que c'est une vision commune mondiale. Y a-t-il d'autres questions? OK, ben, on va enchaîner. Dans le fond, là, c'est des questions pour vous, pour savoir si vous avez bien compris. Fait, à quoi sert une clause préambulatoire? Oui! Bon, un peu à introduire en fait le sujet, lequel tu aimerais amener dans la résolution de l'opportunité. Ben, c'est exactement ça. À quoi sert une clause opérative? À introduire la résolution ou la mettre en contexte. Opérative. On est désolé pour ça. Alors, à quoi sert une clause opérative? Oui, non, juste derrière, excuse-moi. Oui, en fait, c'est mentionner les recommandations du problème, en fait, de la résolution. OK. Les recommandations qui vont amener à la résolution. Oui, là, je pense que tu t'es trompé avec préambulatoire. Les recommandations, qu'est-ce que tu veux dire, antérieurement passé ou que tu veux faire? Oui. OK, que tu veux faire. Oui. OK, ben c'est ça. En fond, c'est ce que tu veux recommander. Là, c'est juste pour bien se comprendre. OK, donc là, maintenant, on va plus s'attaquer à comment la simulation, elle fonctionne. Donc, en simulation, on va alterner en trois types de sessions. Donc, la première, c'est la session formelle. Donc, la session formelle, c'est vraiment là qu'on va faire les discours et les votes. Donc, c'est comme on va être assis tout le monde ensemble à sa place, puis les délégations vont passer un à un pour faire des discours, et c'est là qu'on peut promouvoir nos idées. Donc, lorsqu'on est en session formelle, il y a deux façons de parler à la table de présidence. Donc, via des motions, qu'on va expliquer un peu plus tard c'est quoi, ou via des pages, via des papiers qu'on va distribuer aux pages. Si vous voulez communiquer entre vous, entre les délégations, on peut utiliser encore une fois les papiers ou on peut utiliser les discours à l'avant. Ce qui est super important en session formelle, c'est de vraiment respecter le décorum. Donc, on ne peut pas parler en délégation à voix haute, justement pour qu'on puisse entendre les discours qui vont être faits à l'avant. Et vraiment, on ne peut pas utiliser d'électronique. Donc, vous n'avez pas de laptop ouvert, vous n'êtes pas sur votre cell. On veut rester vraiment, c'est une session formelle, on reste formel. Pour communiquer en session formelle, on va utiliser une motion. Donc, pour faire une motion, c'est ce qui est super important, c'est qu'on attend que la table de présidence demande s'il y a des motions. Une fois que la table de présidence demande ça, c'est là qu'on va lever notre carton et
puis on attend que le président nous choisisse. Si le président nous choisit, on se lève et c'est à ce moment-là qu'on peut procéder à notre motion. Sinon, il y a une autre façon qui est super intéressante comme type de session, c'est le caucus modéré. Donc ça, ce que ça permet, c'est au lieu que les délégations viennent à l'avant faire leur discours, on va rester à notre place et on va se lever pour faire le discours. Ça, ce que ça permet, c'est que les discours vont s'enchaîner beaucoup plus vite et ça va laisser une plus grande chance à plus de délégations de faire des discours. Sinon, l'autre session importante, c'est le caucus non modéré ou la session informelle. Cette session-là est super importante justement pour écrire ces résolutions. Donc, vu qu'en session formelle, on est assis à notre place, on ne peut pas vraiment communiquer avec les autres. Donc, on va passer en session informelle pour aller rencontrer d'autres délégations, savoir c'est quoi leurs idées, négocier. Puis c'est dans ces sessions-là qu'on va vraiment écrire les documents de travail qui vont devenir des résolutions. Bien, donc là, on va passer aux procédures durant la simulation. La première étape, c'est une fois que tous les délégués auront pris place dans l'Assemblée, la première étape de la simulation, c'est la prise de présence. Dans le fond, on va nommer chacun des pays et un délégué par délégation devra se lever pour dire son statut. Les deux statuts possibles, en fait, il y en a trois, mais les deux principaux, c'est présent ou présent et votant. Présent, ça signifie que tu comptes voter sur les votes, mais que tu as le droit de t'abstenir sur les votes qui sont substantifs. Substantifs, ça veut dire tous les votes qui touchent à la substance de la résolution. Ce que je veux dire par là, c'est tout ce qui concerne le sujet, les résolutions, les amendements, ce qu'on va voir un peu plus tard. L'autre statut, c'est présent et votant. Lorsqu'on est présent et votant, on ne peut pas s'abstenir sur aucun vote. Tant les votes procéduraux que, de toute manière, on ne peut pas s'abstenir que substantifs. Le troisième statut, c'est d'être absent. Absent, c'est que tu ne réponds pas. Et après, on va y revenir un peu plus tard. Il est important, on ne peut pas s'abstenir lors d'un vote procédural. Il y a trois votes substantifs. Le vote sur un amendement, les amendements compétitifs, le vote sur l'adoption d'un projet de résolution et le deuxième vote de la division de la question. On va y revenir un peu plus tard. Oui? Pourquoi tu t'abstiendrais de voter sur quelque chose? Parce que le sujet est trop sensible pour ton pays et où tu as peur de porter atteinte à la réputation de ton pays face à la communauté internationale. Les enjeux sont trop grands pour que tu te prononces dans ce style-là. Bon, si on est absent, si vous arrivez en retard à la simulation, pas de panique. Vous pouvez toujours envoyer une note par le biais des pages à la présidence, qui est nous. Et dans la note, bien sûr, écrire le statut que vous voulez avoir, soit présent ou présent et votant. La deuxième étape de la simulation, c'est l'adoption de l'ordre de l'agenda. Pour adopter l'ordre de l'agenda, c'est bien simple, vous avez quatre sujets à traiter. Vous avez sûrement un ordre en particulier que vous voulez, bien, cet ordre-là, il faut le faire valoir auprès des autres délégués, parce que ce que vous voulez, c'est qu'il soit traité en priorité, pour avoir plus de temps possible pour résoudre le problème. Fait que ce que vous voulez faire, c'est, au travers des premières sessions informelles, c'est d'aller parler aux autres délégués et de vendre votre ordre de l'agenda et de un peu prendre le pouls de la simulation, de savoir ce que les autres délégués pensent de l'ordre de l'agenda. L'autre manière, c'est par les discours. Vos premiers discours, normalement, c'est pas une obligation, mais la plupart du temps, portent sur l'ordre de l'agenda. Et vous essayez de promouvoir l'ordre que vous voulez. Pour adopter l'ordre de l'agenda, il faut faire une motion pour s'adresser à la table de présidence. Il y a trois motions qui sont super importantes à retenir et à connaître sur le bout des doigts. La première, c'est la suspension de la séance. La suspension de la séance, elle permet d'aller en session informelle. Puis les sessions informelles, c'est ce que vous voulez avoir le plus souvent parce que c'est là que vous allez vraiment travailler sur le papier et c'est là que vous allez vraiment débattre en équipe. Après ça, on a la clôture du débat. La clôture du débat, c'est lorsque vos projets de résolution ont été soumis au DAIS et qui sont et que vous voulez passer en division de la question. Bien sûr, si vous n'avez pas soumis vos projets de résolution à nous, la table de présidence, parlons de DAIS, c'est la table de présidence, mais vous ne voulez pas faire une motion pour clôture du débat parce que sinon, il n'y aura pas de projet à traiter, la simulation va juste prendre fin. La dernière motion importante,
c'est l'ajournement de la séance. C'est la dernière motion que vous voulez faire à la dernière journée, à la dernière heure. C'est la motion qui va fermer la simulation. Dans le fond, ça va juste y mettre fin jusqu'à l'an prochain. Pour formuler une motion, la première étape, c'est de vous adresser à nous, la table de présidence, avec honorable présidence, et ensuite vous dites cher délégué pour les autres délégués. Vous nommez le nom de votre pays et vous dites le contenu de votre motion et ainsi que sa durée. Fait un peu, ça donne comme ça. Honorable présidence, cher délégué, la Jordanie souhaite proposer une motion pour suspendre la séance pour un caucus non modéré d'une durée de 15 minutes. Et là, on va passer à la deuxième période de questions. Y a-t-il des questions? Oui. Ces motions-là sont votées? Ouais. Certaines. Oui, ils sont tous votés. Donc, ils ont voulu justement un moment non formel pour se consulter. Ils vont avoir un vote unanime, savoir si les gens aussi le veulent. C'est majorité simple. Parce que c'est ça, c'est une session informelle, c'est là que tu vas parler avec les autres délégués, puis tu vas faire ton équipe pour écrire ta résolution. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? OK, ben nous, on a des questions pour vous. Quels sont les statuts possibles pour un pays lors de la prise de présence? Oui, ici. Présent et votant et absent. Ouais. OK. Donc, quel statut permet à un pays de s'abstenir lors d'un vote substantif? Au fond. Ouais. Ouais. Super. Donc, là, maintenant, le cœur de la simulation de Simoni, c'est vraiment d'écrire les résolutions. Puis, une fois qu'on a soumis nos documents de travail à la table de présidence, on veut que ces documents de travail deviennent des résolutions. Puis pour faire ça, il faut rentrer dans les procédures de vote. Donc, il y a trois façons de rentrer dans les procédures de vote. Donc, la première, c'est que la liste des orateurs s'épuise. Ça, c'est vraiment rare que ça arrive pour de vrai, parce que généralement, vous voulez toujours faire un discours, donc il y a tout le temps du monde sur la liste. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est la deuxième manière, c'est qu'on peut faire une motion pour fermer la liste des orateurs. Ça, cette motion-là, elle nécessite un vote à majorité simple. Et ça, ce qu'elle va faire, c'est que on va fermer la liste, donc il n'y a personne d'autre qui va pouvoir se rajouter à la liste. Donc, une fois que la liste s'épuise, on va rentrer en procédure de vote. La troisième manière pour rentrer en procédure de vote, c'est la manière la plus rapide. Ça va être une motion pour clore le débat. Ça nécessite une majorité 2/3, parce que c'est quand même une étape importante. Et il va falloir 2 orateurs pour parler contre la motion, donc pourquoi on ne voudrait pas passer en procédure de vote. Une fois qu'on passe en procédure de vote, qui est super important à retenir, c'est qu'on va fermer les portes. Donc, si jamais vous décidez de sortir durant les procédures de vote, vous n'allez pas pouvoir rentrer. Donc, assurez-vous, avant que les procédures de vote arrivent, allez aux toilettes avant, parce que si vous partez durant les procédures, c'est triste, mais vous allez rester dehors pour le reste de la simulation. Donc, quand on est en procédure de vote, il y a différents votes qu'on peut faire sur les résolutions. Donc, le premier vote qu'on va faire, c'est les amendements. Les amendements, ça, c'est un changement qui a voulu être apporté à la résolution une fois qu'elle a été approuvée par la table de présidence. Il y a des amendements coopératifs, donc ça veut dire que ça a été approuvé par tous les parrains. Ça, dans le fond, on ne va pas le voter justement parce que ça a été approuvé préalablement, mais on va voter les amendements compétitifs. Pour passer un amendement compétitif, il faut que 20% de l'Assemblée soit d'accord avec l'amendement que vous voulez faire. Ça nécessite un vote à majorité simple, puis il va y avoir 2 orateurs qui vont parler en faveur de l'amendement et 2 orateurs qui vont parler contre l'amendement. La manière la plus rapide d'adopter votre résolution, c'est le vote par acclamation. Ça, c'est une motion qu'on va faire pour adopter le projet à l'unanimité. Donc, si tout le monde est d'accord, le document de travail devient directement une résolution. Si, par contre, il y a une délégation, il en faut juste une, qui soit contre le document de travail, ça passe pas, on peut pas voter par acclamation. La division de la question, dans le fond, la division de la question, ça commence par une motion. Pourquoi on fait une division de la question? C'est pour retirer une clause de la résolution et la mettre en annexe. Mais pourquoi on voudrait retirer une clause sur laquelle vous allez autant travailler pour la mettre dans un annexe? Ça sert à quoi? Dans le fond, ça sert à mettre en valeur votre clause. L'annexe, c'est ce qui va être présenté en premier sur les sites Internet.
Il y a plusieurs manières de séparer les clauses. On peut séparer les clauses séparément ou en bloc. Lorsqu'on sépare des deux clauses séparément, c'est que ces deux clauses-là vont être mises en annexe, respectivement, en restant la clause 1 et 2, par exemple. Mais si on décide de diviser la question en bloc, mettons la clause 1 ou 2, ben, la clause 1 et 2 vont être fusionnées dans l'annexe pour devenir une seule clause. On peut juste diviser des clauses opératives complètes. Ce qu'on veut dire ici, c'est que vous ne pouvez pas décider de diviser une clause en plein milieu de la clause, c'est soit toute la clause ou pas de clause du tout. Pourquoi on fait ça? C'est que la division de la question, c'est une procédure et ce n'est pas quelque chose de substantif comme l'amendement. Si vous voulez retirer une partie d'une clause, des mots d'une clause ou changer des mots, c'est par l'amendement. Si une résolution a 9 clauses, on ne peut pas diviser les 9 clauses. Parce que sinon, pourquoi vous avez écrit une résolution? Ça revient au même. Vous allez juste comme avoir votre résolution en annexe. Ça s'annule, vous comprenez? C'est pas le but d'une division de la question. Si l'Assemblée vote en faveur de la division de la question, le deuxième vote s'applique et celui-ci est substantiel. Et comme on a dit, c'est que la division de la question, c'est une procédure. Alors, on commence avec la motion. Si la motion, elle n'est pas adoptée, la résolution ne change pas. Mais si, une fois que la motion est adoptée, on passe à un deuxième vote. Le premier vote, on ne pouvait pas s'abstenir parce que c'était procédural, mais le deuxième vote, lui, est substantif. Alors, sur celui-ci, vous avez le droit de vous abstenir. Si le deuxième vote ne passe pas, la clause va disparaître. On va l'effacer. Mais si elle passe, on va envoyer la clause en annexe. Donc là, on va traiter de ce qui est super important, c'est durant la simulation, on veut vraiment que vous adoptiez un comportement diplomatique. Donc ça ça veut dire, c'est que vous allez représenter un pays. Ça se peut que ce pays ait un point de vue différent ou sur les enjeux qu'on veut traiter, puis que vous soyez en désaccord avec. Le but, c'est pas de représenter vos intérêts, mais de représenter votre pays. Donc, vous parlez au nom de votre pays, même si vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec. L'autre chose qui est super importante, c'est vraiment d'adopter un langage diplomatique. Donc, que ce soit durant les négociations, durant les discours, on n'attaque pas une personne et on n'attaque pas un pays. On reste diplomatique, on reste respectueux. Puis finalement, le troisième point super important, c'est qu'on veut que vous respectiez tout le temps le décorum. Donc, en session formelle, c'est super important, vraiment pas d'électronique, soyez respectueux envers vos délégués. C'est quand même une simulation qui est stressante, donc soyez respectueux pour les autres. La négociation, ça prend une majeure partie de la simulation parce que vous allez toujours devoir faire valoir votre point et aussi accepter le point des autres. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez bien informé des sujets dont vous allez parler, parce que si vous ne connaissez pas le sujet, vous n'allez pas être capable de négocier. Chercher un consensus, c'est important, parce qu'il ne faut pas oublier que les Nations Unies et les résolutions, c'est sur une base volontaire, et que si personne accepte ou vous n'avez pas le consensus des gens autour de vous, personne ne va faire les actions que vous voulez, il n'y a personne qui va accepter votre clause dans leur résolution. Évitez les émotions trop apparentes, évitez aussi d'avoir l'air trop ennuyé. Si vous avez l'air trop ennuyé, les gens vont être moins intéressés à travailler avec vous, et si vous voulez vraiment apprécier votre expérience de simulation, il faut vraiment comme faire partie de la simulation. Il faut aussi parler le plus souvent possible, afin de, premièrement, quand on est en équipe, afin de garder sa place au sein de l'équipe, mais aussi lors des discours, des motions, parce que ça fait vraiment une image de vous au sein des autres délégués, et ça vous montre que vous êtes performant et que vous êtes actif, et donc que vous êtes quelqu'un avec qui on voudrait travailler. Écoutez toujours ce que les autres ont à dire. Le point des autres les opinions des autres est aussi pertinent que le vôtre. Évitez aussi de vous disputer avec les autres délégués. Comme on l'a dit, c'est dans le décorum de la simulation de rester diplomatique. Et il faut rester diplomatique en tout temps. Alors, des débats, c'est correct, mais des disputes, c'est la limite à ne pas franchir. On a une petite activité, mais avant ça, est-ce que vous avez des questions? Ouais. Dans une résolution, il y a parrain et signataire. Oui. Les parrains, en fait, c'est ceux qui vont écrire la résolution. Donc, on va dire que je représente la Jordanie, je vais travailler, puis je vais vraiment écrire la résolution avec les autres pays. Les signataires, quant à eux, c'est les autres pays qu'on va aller voir, qui n'ont pas nécessairement travaillé sur la résolution, mais qu'on va aller voir pour leur demander s'ils sont d'accord avec notre résolution.
On va vous donner un nombre minimum de signataires qu'il va falloir avoir avant de faire approuver votre résolution, juste pour montrer qu'il y a d'autres pays qui soutiennent votre résolution. C'est pas juste les pays qui l'ont écrit. L'important dans les signataires et les parrains, c'est que le parrain, c'est qu'il croit à chacun des mots qu'il y a dans la résolution. Alors, c'est pour ça que c'est super important que le parrain, parce que vous allez voir le nombre de signataires qu'on va demander, des fois, il va y avoir plus de monde qui écrit, ils ne pourront pas être parrain, parce qu'il y a des choses dans la résolution que, en tant que pays, tu peux pas accorder. Alors là, tu peux devenir signataire, parce que le signataire peut se permettre de signer quelque chose qui n'est pas entièrement d'accord, mais la plupart. Alors, c'est ça la différence. Mais le parrain, c'est que quand il écrit quelque chose, parce que je vous dis tout de suite, c'est que vous allez savoir, c'est qu'est-ce qui est le plus dur pour vous, tous ceux qui ont accompagné les jeunes, c'est quand on refuse de vos résolutions et qu'on dit, vous ne pouvez pas être parrain de cette résolution-là. Mais bon, pourquoi? Parce que ton pays ne pourrait pas entériner ce qui est écrit maintenant. Alors, si je vous dis, c'est que pensez-y toujours, quand vous écrivez une résolution, vous ne pouvez pas entériner complètement ce qui arrive là. Vous allez voir samedi et dimanche, il y en a qui vont trouver ça difficile parce que bon, on est obligé de refuser votre résolution. OK? Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui. Vous avez dit que quand on part, on a le droit de revenir. Est-ce que c'est pour comme pas déranger lui qui parle? En fait, c'est parce qu'à l'ONU, si quelqu'un part, on ne veut pas qu'il y ait de l'information externe et que ça vienne influencer le vote. Donc, on va faire la même chose qu'à l'ONU. Si, mais tu peux seulement pas revenir durant les procédures de vote. C'est à ce moment-là qu'on ferme les portes. Mais sinon, j'imagine que si tu pars, tu dans les sessions informelles, tu as le droit de partir où tu veux et de revenir. Durant le formel, c'est un peu mal vu, j'imagine, d'arriver quand quelqu'un fait un discours, mais je pense que tu as toujours l'option de rentrer dans la salle. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Non, c'est le premier, c'est un vote procédural et l'autre, c'est substantif. Quand tu veux diviser deux clauses, tu vas dire en bloc ou séparément, mais ça reste que c'est une procédure parce que c'est une motion. Y a-t-il d'autres questions? OK. Donc là, maintenant, ce qu'on va vous montrer, c'est qu'on va faire une mini-simulation juste pour vous montrer comment ça se passe, le déroulement de Simonie. Donc, nous allons maintenant débuter la session formelle. Délégués, veuillez regagner vos sièges. La rapporteure va maintenant procéder avec la prise de présence. Allemagne. L'Allemagne est présente et votante. Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est présente et votante. Ok, pour le bien de la simulation, ça veut juste être les délégués grassés qui vont participer parce que c'est un petit exemple. Mais t'as très bien répondu pour le mot premier. Ok, délégués, décorum s'il vous plaît. Argentine. L'Argentine est présente. Biélorussie. Biélorussie est présente. Chine. La République populaire de Chine, fier pays du milieu et fier défenseur des valeurs maoïstes, est présent et votant au sein de l'Assemblée générale. Merci, Chine. Cependant, je vais vous demander de rester concis dans vos propos. On a juste besoin de savoir si vous êtes présent ou présent et votant. États-Unis. Les États-Unis d'Amérique sont présents et votants. Finlande. La Finlande est présente. Islande. L'Islande est présente. Kenya. Le Kenya est présent. Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est présent et votant. Fédération de Russie. La Fédération de Russie est présente et votante. Vietnam. Le Vietnam est présent. Merci beaucoup, rapporteur. Maintenant, s'il n'y a pas d'objection, nous allons ouvrir la liste des orateurs. Tous ceux qui désirent y figurer, levez votre carton maintenant. Je vois la Biélorussie, la Russie, l'Islande et la Grande-Bretagne. Toutes les délégations désirant être ajoutées à la liste des orateurs peuvent envoyer un papier par les pages. Pour
Pour communiquer durant la session formelle, il faut envoyer des notes avec le nom de votre pays ainsi que son destinataire. Les pages sont responsables d'acheminer ces notes. Elles doivent être diplomatiques en tout temps et aucune note d'autre genre ne sera acceptée. À cet instant, y a-t-il des motions sur le parquet? Oui, l'Islande. Honorable Président, chers délégués, l'Islande voudrait proposer une motion pour un caucus non modéré de 2 minutes. Cette motion est en ordre. Y a-t-il d'autres motions sur le parquet? Vietnam, quel point soulevez-vous? Honorable Président, chers délégués, le Vietnam souhaite proposer une motion pour établir l'ordre de l'agenda à 1, 2, 3 et 4. Merci, délégués. Cette motion est en ordre. Y a-t-il d'autres motions sur le parquet? Je vois l'Argentine. Honorable Président, chers délégués, l'Argentine voudrait établir l'ordre de l'agenda à 2, 1, 4, 3. Cette motion est en ordre. Y a-t-il d'autres motions sur le parquet? Je vois la Chine. Honorable Président, chers délégués, la Chine souhaite apporter l'ordre à l'agenda avec 1, 2, 3 et 4. Merci, délégué, mais cette motion a déjà été soumise par le délégué du Vietnam. Elle ne sera donc pas prise en considération. Dans le cadre de la simulation actuelle, la motion de la Chine n'est pas prise en considération, puisqu'elle a déjà été dite. Par contre, à Simonie, la présidente ou le président vous proposera de reformuler votre motion, mais cela est uniquement à la discrétion de la table de présidence. Nous allons maintenant passer au vote de la motion proposée par l'Islande pour un caucus non modéré d'une durée de 2 minutes. Tous ceux en faveur, levez votre carton maintenant. Tous ceux contre, cette motion passe. Vous êtes maintenant en caucus non modéré pour 2 minutes. Et aller voir les autres délégués pour reprendre les places. Après. Si vous avez des questions. Nous allons maintenant entretenir quelques discours. Ces discours porteront sur l'ordre de l'agenda adopté. Les orateurs devront donc tenter de convaincre les autres pays de voter dans un ordre particulier. Biélorussie, vous avez 30 secondes. Russie, vous êtes sur le parquet. Imaginons une ville dans laquelle l'accès à l'eau potable est très limité. Cela serait extrêmement difficile. Pourtant, c'est la réalité à laquelle des millions de gens sont confrontés. Pour la plupart d'entre nous, nous n'avons qu'à ouvrir le robinet et pouvons avoir accès à de l'eau qui peut être consommée. Cependant, ce n'est pas la réalité de tous, car une personne sur 9, soit 783 millions d'individus, n'ont pas accès à de l'eau potable en raison de la manière inéquitable dont elle est distribuée. Nous ne pouvons pas continuer à laisser cette situation injuste subsister, car l'eau est un droit fondamental. Merci, délégué. Bien, Russie, vous avez 30 secondes et Islande, vous êtes sur le parquet. Honorable présidence, chers délégués, imaginez un monde en paix où, grâce au projet Star Wars, les missiles nucléaires pourraient être abattus par des satellites qui vont tirer des lasers. Imaginez un monde où les gens pourront boire du San Pellegrino gratuit pour tout le monde. Nous, en Sibérie, on y croit. On y croit vraiment. Parce que je vous dis, ce qui compte, c'est croire. C'est comme le Père Noël, il faut juste y croire. Et vous allez pouvoir réussir, délégués. Nous vous appelons de l'eau gratuite, de l'éducation gratuite, du healthcare gratuit. Vraiment, imaginez un monde meilleur et votez avec votre cœur. Merci beaucoup. Merci, délégués. Islande, vous avez 30 secondes et Grande-Bretagne, vous êtes sur le parquet. Salut les filles, coucou les délégués. Je vais vous dire que je suis extrêmement honorée d'être en votre compagnie cet après-midi. Vous faites tous et chacun un travail exceptionnel jusqu'à maintenant. Puis je dois dire que vous êtes vraiment bien habillés aussi, c'est super beau. J'allais oublier, ben,
L'accès à l'eau, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour l'Islande. Puis on va tout faire en notre possible pour que ce sujet-là ne tombe pas à l'eau. Décorum délégué. Merci, délégué de l'Islande, Grande-Bretagne, vous avez 30 secondes. Honorable présidence, chers délégués, chaque année, 2,6 millions de personnes meurent dues à des maladies liées à l'eau. C'est pourquoi le Royaume-Uni souhaite que l'ordre de l'agenda soit de 1, 2, 3 et 4. Nous, le Royaume-Uni, pensons que l'accès à l'eau potable est extrêmement important, puisque c'est ce dont chaque personne dans cette salle a besoin pour survivre. Nous croyons que développer la gestion de l'eau potable dans une optique de développement durable peut bénéficier à toute la communauté internationale. Joignez-vous au Royaume-Uni et votez pour établir l'ordre de l'agenda 1, 2, 3 et 4. Merci. Merci beaucoup, Royaume-Uni. Comme vous avez pu le remarquer, certains des discours ont été stéréotypés. Le nerveux, illustré par la Biélorussie, le comique, illustré par l'Islande, et finalement, l'utopiste et excessivement dramatique par la Russie. Ils sont évidemment à éviter. Le dernier discours, toutefois, est un exemple de discours diplomatique idéal. Merci au Royaume-Uni. Nous allons maintenant entretenir quelques motions. Y a-t-il des motions sur le parquet? N'en voyons aucune. Nous allons maintenant passer au vote sur la motion du Vietnam pour établir l'ordre de l'agenda à 1, 2, 3, 4. Tous ceux en faveur, levez votre carton maintenant. Tous ceux contre, cette motion passe. L'ordre de l'agenda est maintenant établi à 1, 2, 3, 4. Il est à noter qu'il est impossible de s'abstenir sur le vote de l'ordre à l'agenda parce qu'il est procédural. Ce n'est que les votes substantifs, tels que l'adoption d'une résolution, les amendements, que vous pouvez vous abstenir. Nous allons maintenant ouvrir une nouvelle liste des orateurs, la précédente étant maintenant éliminée. Tous les pays qui souhaitent s'y ajouter, levez votre carton maintenant. Je vois la Finlande et le Kenya. Une fois que l'ordre de l'agenda est adopté par l'Assemblée, la liste des orateurs est automatiquement supprimée et une nouvelle est ouverte. Nous allons maintenant entretenir quelques discours. Délégué de la Finlande, vous avez 30 secondes. Il est important de noter qu'à ce point-ci de la simulation, vos discours ne portent plus sur l'ordre de l'agenda puisqu'il a déjà été établi. Vous devez faire la promotion de vos idées et de vos projets de résolution auprès des autres délégués. Honorable présidente, chers délégués, encore aujourd'hui, l'accès à l'eau potable semble être un privilège plutôt qu'un droit humain. C'est une situation à laquelle la République de Finlande est convaincue qu'il existe des solutions. Nous pouvons assurer un dessalement de l'eau par l'utilisation d'énergie solaire. Nous devons faire la promotion de projets comme WASH qui développent l'accès à l'eau potable dans les écoles, puis assurer un développement de projets technologiques qui contribuent à une meilleure gestion de l'eau potable. Ensemble, rendons l'accès à l'eau potable une réalité pour tous. Merci. Merci, délégué. Y a-t-il des motions sur le parquet? Je vois la Biélorussie. Honorable présidence, chers délégués, la Biélorussie voudrait proposer une motion pour un blocus non modéré de 1 minute. Cette motion est en ordre. Y a-t-il d'autres motions sur le parquet? Je vois les États-Unis. Honorable présidence, chers délégués, les États-Unis d'Amérique souhaitent proposer une suspension de la séance pour un blocus non modéré de 2 minutes. Cette motion est en ordre. Y a-t-il d'autres motions sur le parquet? N'en voyons aucune. Nous allons maintenant passer au vote sur la motion des États-Unis pour un caucus non modéré de 2 minutes. Comme vous pouvez l'observer, les motions sont votées de la plus dommageable à la moins dommageable. Tous ceux en faveur, levez votre carton maintenant. Tous ceux contre, cette motion passe. Vous êtes maintenant en caucus non modéré pour 2 minutes. Nous allons maintenant entretenir des discours. Kenya, vous avez 30 secondes. Honorable présidence, chers délégués, assurer un accès durable à l'eau potable pour tous, pour les 1,1 milliard d'êtres humains qui en ont pas accès, c'est l'un de nos objectifs les plus ambitieux. Par contre, c'est certainement pas le cas des États-Unis avec leur nouveau président Donald Trump qui décide de quitter l'accord de Paris, puis ça demande vraiment leur QI élevé, hein? Énorme, les États-Unis souhaitent un droit élevé. Merci, délégué des États-Unis. La table de présidence en discutera et vous reviendra avec une réponse dès que possible. Cependant, il n'est pas garanti que ce droit de réplique vous soit accordé.
Il est important pour le bon déroulement de la simulation de ne pas faire de points d'ordre inutiles. Par contre, il est crucial de faire un point d'ordre si vous vous êtes fait oublier sur la liste des orateurs. De surcroît, la table de présidence est libre de juger en tout temps de la validité des points d'ordre et son jugement est final. Il est donc non négociable. Kenya, vous pouvez continuer. Tout de même, le Kenya croit fermement qu'une bonne gestion de l'eau potable se fait grâce à des financements et partenariats. C'est ça la clé au développement durable. Merci. Merci, délégué. Y a-t-il des motions sur le parquet à cet instant? Je vois la Russie. Chers délégués, la Russie souhaite suspendre la séance pour un caucus modéré de 2 minutes avec des interventions de 30 secondes. Cette motion est en ordre. Y a-t-il d'autres motions sur le parquet? N'en voyons aucune. Nous allons maintenant passer au vote de la motion proposée par la Russie. Tous ceux en faveur, levez votre carton maintenant. Tous ceux contre? Cette motion passe. Tous ceux désirant un temps d'intervention, levez votre carton maintenant. Je vois l'Islande, le Vietnam, l'Allemagne et l'Argentine. L'Islande, vous avez 30 secondes. Honorable présidence, chers délégués, 2,6 millions. 2,6 millions est le nombre de personnes qui meurent chaque année de la maladie reliée à l'eau. C'en est assez. Il faut que ça change. Pour contrer ce fléau, l'Islande est présentement en train de collaborer avec la Finlande, la Biélorussie et l'Allemagne à l'écriture d'un projet de résolution visant à augmenter l'accès à l'eau dans les régions désertiques. Joignez notre cause, appuyez notre résolution et devenez-en signataire. Merci. Merci, délégué. Vietnam, vous avez 30 secondes. Honorable présidente, chers délégués, le Vietnam travaille présentement avec la Chine, les États-Unis et d'autres États membres à l'élaboration d'un projet de nettoyage des lacs et des océans afin de réduire la quantité de plastique et autres matières toxiques qui affectent notre eau potable. Ces matières toxiques affectent non seulement notre eau, mais également la faune marine, affectant intrinsèquement notre alimentation et notre santé. L'eau est la base de la vie. Sans nos propres, les écosystèmes marins seront pollués et notre accès à l'eau réduit. Joignez notre résolution, joignez la préservation de nos lacs, nos océans, notre eau. Merci. Merci, délégué. Allemagne, vous avez 30 secondes. Honorable président, chers délégués, l'Allemagne est fière de coopérer avec une multitude d'États membres sur une résolution faisant la promotion de l'utilisation et du développement d'infrastructures, de recyclage et de valorisation de l'eau potable. Délégués, il y a tant de potentiel dans notre consommation de l'eau et la recycler intelligemment en permet une consommation moindre et plus soutenable sans affecter notre mode de vie. Rejoignez-nous pour mettre le monde de demain sous la bannière du développement durable. Merci, délégué. Argentine, vous avez 30 secondes. Honorable président, chers délégués, 884 millions. 884 millions illustrent le nombre de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. En plus de représenter 10 % de la population qui n'ont pas un accès à l'eau potable quotidien, l'ampleur du problème réside dans le fait que 65,8 % des communautés rurales n'ont pas de système de distribution d'eau adéquat. Afin d'enrayer cette disparité entre les secteurs ruraux et urbains, l'Argentine travaille présentement en collaboration avec l'Allemagne, la Finlande, le Vietnam et l'Islande sur la rédaction d'une résolution encourageant la collaboration entre les secteurs publics et privés. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire la différence. Joignez votre voix à la nôtre pour qu'ensemble l'accès à l'eau potable devienne la norme et non un privilège. Merci, délégué. À cet instant, y a-t-il des motions sur le parquet? Je vois le Vietnam. Honorable président, chers délégués, le Vietnam souhaite une motion pour un caucus non délégué de 5 minutes. Je vois l'Islande. Honorable présidence, point de privilège, nous n'avons pas entendu la motion du Vietnam. Il est important pour le bon déroulement de la simulation de ne pas faire de points de privilège inutiles et à répétition. Donc, pour bien entendre la motion d'un délégué, il faut être attentif et silencieux. Une raison de plus pour garder le décorum. Merci, délégué. Le Vietnam soumet une motion pour un caucus non modéré de 5 minutes. Cette motion est en ordre. Y a-t-il d'autres motions sur le parquet? N'en voyons que nous allons maintenant passer au vote pour un caucus non modéré de 5 minutes. Toutes les délégations en faveur, levez votre carton maintenant. Toutes celles contre? Cette motion passe. Vous êtes maintenant en caucus non modéré pour 5 minutes. Honorable présidente, chers délégués, les États-Unis regardent le monde à bras ouverts
et est prêt à s'engager dans n'importe quelle opportunité qu'elle peut croiser. Les États-Unis ne s'abaissera jamais à critiquer d'autres pays, puisque les États-Unis d'Amérique croient en un monde meilleur et croient en une collaboration. Il ne perdra pas son temps à se diminuer, à critiquer et à s'abaisser au malheur humain. Il regarde le monde avec les opportunités, les qualités de demain et tout le beau et tous les beaux et toutes les belles collaborations qu'on pourrait faire tous les pays ensemble. Voici les principes des Nations Unies et voici les principes des États-Unis d'Amérique. Merci. Merci, délégué des États-Unis. À cet instant, y a-t-il des motions sur le parquet? Je vois l'Islande. Honorable président, cher délégué, l'Islande désire fermer la liste des orateurs. Cette motion est en ordre. Lorsqu'il y a une motion pour fermer la liste des orateurs, une majorité simple est nécessaire. Toutes les délégations en faveur, levez votre carton maintenant. Toutes celles contre? Cette motion passe. La liste des orateurs est maintenant fermée. Y a-t-il d'autres motions sur le parquet? Je vois la Finlande. Honorable président, chers délégués, la Finlande souhaite proposer une motion pour clore le débat. Cette motion signifie que nous allons rentrer en procédure de vote. Si cette dernière est acceptée par l'Assemblée générale, pour ce faire, elle nécessite l'approbation du 2/3 de l'Assemblée ainsi que de 2 orateurs contre. Évidemment, si aucun de vos documents de travail n'a été accepté par la table de présidence, il ne faut pas soulever cette motion. Cette motion est en ordre. Y a-t-il d'autres motions sur le parquet? N'en voyons aucune. Nous allons maintenant procéder au vote pour clore le débat. Nous avons besoin de 2 orateurs contre. Tous ceux qui désirent parler contre, levez votre carton maintenant. Je vois l'Islande et la Biélorussie. Islande, vous avez 15 secondes. Honorable président, chers délégués, l'Islande est convaincue que le point de vue de chaque délégation n'a pas été entendu et qu'il serait plus juste, dans l'objectif de cette résolution, que le débat continue. Merci, délégué. Biélorussie, vous avez 15 secondes. Honorable président, chers délégués, la Biélorussie pense que le sujet n'a pas été suffisamment approfondi pour clore le débat. Merci, délégué. Nous allons maintenant passer au vote. Toutes les délégations en faveur, levez votre carton maintenant. Toutes celles contre? Cette motion passe. Nous sommes maintenant en procédure de vote. Nous allons fermer les portes de la salle. Nous avisons qu'à partir de maintenant, si vous sortez, vous n'allez pas pouvoir re-rentrer. La rapporteure fera la lecture du projet de résolution 1/2/1. Clause 1. Encourageons l'augmentation du soutien consacré à ONU Eau en les sensibilisant sur les problématiques liées au manque d'accès à l'eau, afin de fournir de l'information dans différents pays, de créer une base de connaissances acquises par des spécialistes au sujet de la gestion de l'eau et d'offrir une plateforme de mise en commun des savoirs. Clause 2. Incitons les États membres à soutenir à part entière le développement continu de l'approvisionnement des pays en manque d'eau en mettant en commun et en partageant les connaissances de leurs experts en la matière. Clause 3. Recommandons à ONU Eau de renforcer la prise de conscience des pays occidentaux de l'importance de l'accès à l'eau en leur présentant un document pour approfondir leur niveau d'expertise dans le but de mieux desservir tous les pays en manque de cette ressource d'ici 10 ans. Clause 4. Invitons les États membres à prendre conscience du Programme mondial d'évaluation des ressources en eau, WWAP, visant le développement des outils et des compétences nécessaires à une meilleure compréhension des processus fondamentaux, de la gestion et des politiques concernant l'approvisionnement en eau potable afin de A. Utiliser les spécialistes externes du WWAP qui permettent la validation de l'intégrité et l'autorité du rapport pour assurer la maximisation des compétences dans la gestion de la distribution de l'eau potable. B. Renforcer et améliorer les attitudes des gouvernements à diriger leurs propres évaluations par le biais de l'éducation et de la formation, de l'apport des méthodologies, de l'amélioration des institutions et des infrastructures et du développement de réseaux de données et d'informations. Merci beaucoup, rapporteur. À cet instant, y a-t-il des motions sur le parquet? Oui, délégué de la Finlande. Honorable président, cher délégué, la Finlande souhaite proposer une motion pour adopter ce projet de résolution par acclamation. Y a-t-il de l'opposition? Puisqu'il y a de l'opposition, cette motion échoue. Y a-t-il d'autres motions sur le parquet? Oui, délégué de la Chine. Honorable président, cher délégué, la Chine souhaite proposer une motion pour séparer les clauses 1 et 2 en bloc. Cette motion est en ordre. Y a-t-il d'autres motions sur le parquet? N'en voyons qu'une. Nous allons maintenant passer au vote sur cette motion. Nous avons besoin de 2 orateurs pour,
Chine, j'imagine que vous parlerez en faveur. Est-ce qu'il y aurait d'autres délégations qui souhaiteraient parler en faveur? Je vois la Biélorussie. Et nous avons aussi besoin de deux orateurs pour parler contre. Je vois les États-Unis et l'Islande. Chine, vous avez 15 secondes. Honorable présidence, chers délégués, la Chine pense que les clauses numéro 1 et 2 répètent essentiellement la même chose, donc il serait plus pertinent pour la résolution de les rassembler en bloc. Merci, délégués. États-Unis, vous avez 15 secondes. Honorable présidente, chers délégués, les États-Unis d'Amérique croient que la clause 1 et 2 sont comme des frères et sœurs. Ils sont semblables, mais aussi complètement distincts. Les mettre ensemble créerait beaucoup de chicanes. Merci beaucoup, délégués. Décorum, délégués. Biélorussie, vous avez 15 secondes. Honorable présidente, chers délégués, la Biélorussie pense que cette clause met en relief un sujet important qui pourrait être discuté davantage. C'est pour cela que cette clause devrait être mise en annexe. Merci beaucoup, délégués. Islande, vous avez 15 secondes. Honorable présidente, chers délégués, l'Islande croit que ces clauses dans cette résolution sont comme les geysers pour l'Islande. Inséparables. Pour cette raison, la vision de la Biélorussie délégué. L'utilisation des métaphores peut être pertinente durant ces discours de 15 secondes, mais doit en tout temps rester diplomatique et sérieux. De plus, les discours ne doivent pas faire mention du contenu de la clause ou des clauses, puisqu'ils sont procéduraux et non substantifs. Nous allons maintenant passer au vote sur cette motion. Toutes les délégations en faveur, levez votre carton maintenant. Toutes les délégations contre, cette motion passe. Nous allons maintenant passer au deuxième vote de la division de la clause. Il n'y a pas eu d'abstention sur ce vote, car celui-ci était procédural. Le deuxième vote, lui, est substantif. Il peut donc y avoir des abstentions. Celui-ci servira à déterminer si les clauses sont annexées ou non. Toutes les délégations en faveur, levez votre carton maintenant. Toutes les délégations contre, les abstentions. Cette motion passe. Les clauses seront donc mises en annexe. Nous allons maintenant passer au vote sur le projet de résolution 1/2/1. Toutes les délégations en faveur de l'adoption du projet de résolution, levez votre carton maintenant. Toutes les délégations contre, les abstentions. Nous croyons que certaines délégations ne se sont pas prononcées sur la motion. Nous allons donc devoir reprendre le vote. Toutes les délégations en faveur, toutes les délégations contre, les abstentions. Cette motion passe. Le projet de résolution 1/2/1 devient la résolution 1/2/1. À cet instant, y a-t-il des motions sur le parquet? Je vois l'Argentine. Honorable présidente, chers délégués, l'Argentine souhaite proposer une motion pour ajourner la session. Cette motion est en ordre. Y a-t-il d'autres motions sur le parquet? Nous allons maintenant voter sur la motion proposée par l'Argentine. Toutes les délégations en faveur, levez votre carton maintenant. Toutes les délégations contre, cette motion passe. La session est maintenant ajournée jusqu'à l'année prochaine. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'à date qui vous ont surgi au cours de notre mini-simulation? Non? OK, bien, avant de vous laisser partir, nous, on a des petites questions pour vous. On a un petit quiz. La première question, c'est comment peut-on s'adresser à la présidence durant la session formelle? Oui? Il y a des choix de réponse. Est-ce que vous êtes capable de lire? Ta réponse était bonne. Vous voulez qu'on lise pour vous? OK, c'est ça. Elle fait partie d'un deuxième choix. Bref. OK, donc A, en levant la main et en se mettant debout sur sa chaise. B, en levant son carton et en envoyant des papiers via les pages. C, en levant son carton et en allant voir directement la présidence à sa table. Ou D, en levant la main et en envoyant des papiers via les pages. Oui. Bonne réponse. Comment peut-on rentrer en procédure de vote? A, avec une motion pour clore le débat. B, avec une motion pour fermer la liste des orateurs et attendre que celle-ci s'épuise. C, attendre que la liste des orateurs s'épuise d'elle-même. D, toutes ces réponses. Ouais. Y a-t-il une autre réponse? Ouais. Ouais, c'est la bonne réponse. Bon,
Là, c'est la dernière période des questions. Avez-vous des questions sur tout ce qu'on vient de voir? C'est quand même, c'est lourd, je sais, c'est beaucoup de choses. Non? Non, mais on vous souhaite une bonne simulation. On se voit dans deux minutes.